Aujourd'hui, je dois dessiner mon école. Le cours d'aujourd'hui, c'est perspective et il faut dessiner notre magnifique école. Dans un premier temps, je viens sortir mon matériel, puis à l'aide de mes doigts, je vais essayer d'avoir à peu près l'idée globale du dessin. J'avais déjà fait un test la semaine dernière, mais j'aimais pas, donc j'ai décidé de tout recommencer. Pour démarrer, je vais faire un petit format pour avoir une idée globale du dessin. Je pars d'un point de fuite pour dessiner tout le reste. Je vais pouvoir ensuite faire la première comparaison après 2 heures de travail pour voir si j'avance bien. Je vais ensuite sortir ma gomme mid-pain pour adoucir les traits et mieux me repérer. Et je vais enfin pouvoir travailler le fond. Mon crayon commence à s'essouffler, donc je vais commencer à bien le tailler pour m'occuper des barrières et de tout ce qu'il y a derrière. Cet outil, ça s'appelle une gomme stylo, ça me permet de gommer bien précisément et grâce à ça, je vais pouvoir vraiment m'améliorer au niveau des traits. Ensuite, je viens bosser les petites lampes et je vais ensuite comparer après 4 heures de travail et on avance vraiment bien. Je vais ensuite m'occuper de toutes les petites barrières, mais malheureusement, ma mine s'est cassée donc j'ai utilisé un critérium. Vu que c'était bientôt la fin du cours, j'ai dû accélérer pour dessiner tout ce qu'il y avait à gauche, mais je m'en suis quand même pas mal sorti, tu vas voir. Après ça, je me suis occupé du parquet et des derniers détails et voilà le résultat au bout de 4 heures. J'espère que t'as kiffé. Du coup, si t'as kiffé le dessin, tu peux t'abonner. Merci.